Nous pour aller non cap haïtien pour nous parler à Donald Jamais parce que information a été ça circulé hier à savoir gagné agent Udmoyo qui bat maître Charles Édouard Durand qui c'est commissaire gouvernement cap haïtien. Donc gagné plusieurs réactions qui est déjà tombé après fait ça tout à l'heure mais permettre nous gagner information qui s'allie exactement avec correspondant permanent nous dans cap haïtien Donald Jamais. Bonjour. Bonjour Gabriel Dessol, bonjour Johnny, bonjour Machani, bonjour tout partout, bonjour. Bien sûr, bonjour la Gabriel Dessol, gagné commissaire gouvernement au cap la net Charles Edouard Durand qui subit sa matinale. Qui subit à ses fortunes en main sur plusieurs agents, UDMO, unité départementale médecin l'homme dans le département NOA, avant hier, mardi 13 février 2024, à Achelet. Mais ça a passé dans rue 24AB, mais c'est pendant que, d'après quelques témoins, c'est pendant machine et commissaire gouvernement qui est garé dans rue 24, eh bien, il y a un backup UDMO qui a passé, mais ça semble que machine était mal garée, il y a un agent UDMO qui a descendu, frappé, et fort que le commissaire gouvernement bien fort. Toujours d'après quelques témoins, le commissaire gouvernement après agent Udmo, qui était dans la machine de la copie descendre, bien, donc le commissaire gouvernement a barré au plan après les policiers qui ont frappé la machine, bien, donc dans l'échange, agent Udmo ça mal mené par le commissaire gouvernement qui mal battu en début, d'après ça, on va prendre des têtes capitulées d'après quelques témoins. Eh bien, nouvelle ça, les choquer, un peu le monde, cap haïtien, les choquer. Et avocat lui choqué le monde justement. Hier soir, il était aux environs de 8h, les plusieurs chefs paquets dans la région, paquets Grand Rivière du Nord, paquets Folie Liberté, paquets dans la cour d'appel, eh bien, il était bagné en conférence pour la presse, côté, il a demandé responsable de la police dans le département de Noir, mettez les policiers fortifiés, les policiers bourreaux à la disposition la justice, la petite vite. By DBNPNH, la commissaire divisionnaire Fred Joseph, 24 octobre, il y a une journée pour lui faire ça. Mais si DBN n'a pas mis les policiers fortifiés à la disposition de la justice, il y a quand même travail dans tout le paquet pour demander au commissaire Fred Joseph by Talonli dans le département Noir. Donc, maintenant qu'on est dernier, il y a deux policiers qui sont placés en isolement, deux policiers qui sont impliqué dans les actes-là, d'après porte-parole, la police, là, inspecteur divisionnaire à Wolchamp, il y a deux policiers qui sont là, qui sont placés dans l'isolement, dans l'inspection générale. Nous connaissons le département noir, il y a un branché en cellule, inspection générale, qui est là pour tout le grand noir, il y a deux policiers qui sont là, déjà placés en isolement. En tout cas, responsable et chef parquet, ce n'est pas seulement sanction administrative, sanction policière pour qui a le jeune policier, mais il faut que je me fie à la disposition de la justice. Donc ça veut dire et policier ça yo y était deux à bord non patrouille là c'est des policiers qui fait venir dans la ville là mais qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous pas connaissez ces commissaires là, bon qui alors nous on va pas la queue, nous pas qu'à expliquer ça qui passé vraiment. Non, pour le moment, donc, la police n'a pas vraiment d'assurance sur ça. Je veux dire, il y a des informations que la police dans nous. Mais même moi, policier, que nous ne pouvons pas gagner. Alors, la police n'a pas choisi de communiquer et nos policiers qui sont impliqués dans les actes-là. Donc, nous ne connaissons pas, est-ce que ces policiers qui sont venus, nous ne connaissons pas combien d'agents qui sont dans le backup-là. Puisque, comme jusqu'à présent, pour qu'on ait un pile d'informations qui sont sur ça. Mais le commissaire Durand, ça a toujours misé. Il y a un policier pas obligé de connaître le commissaire Durand. Mais c'est le cabinet, le avocat, cabinet qui est tout près, dans la rue 23-24B, le cabinet tout près, et généralement, dans une petite opération que la police menait, qui fait Béli, qui fait Udmo, commissaire à ce jour-là, depuis encore, parquet à pas trop loin, et direction départementale, là, bon, dans Udmo. En tout cas, depuis mon père, on ne pas connaître, et ça qui était passé, policier, est-ce que c'est qu'on est passé dans lui, mais nous pas dit information sur ça. Donc, mais le commissaire Durand, c'est un monde quand même qui connu, qui est dans le bloc côté de l'UNPNH, bon, bah, c'est du monde, encore pas qu'il y a.
même pas seulement connaître qui s'acquitte et motivé agent Ibinoyo, est-ce que c'est agent qui fait bien, nous pas de détails sur ça. Alors, on dit que deux agents Sayo, y a un isolement pour Koulia. Oui, il y a deux familles agents qui sont dans ma côte, là, fait sa porte par là, par contre, non, ça a dit, on peut regarder, on peut faire, il y a des choses qui sont dans l'autre agent, soit qui ont un comportement passif ou pas, mais les policiers qui étaient mal menés, les policiers du monde, eh bien, ils ont placé un isolement d'après l'information que la police partageait avec nous et allait au soir. Et commissaire Sali là depuis combien de temps? Commissaire Durand, Lila, quoi l'année passée, depuis un mi-temps, l'année passée, c'est pas moi en juillet, mais lui-même Lila, et lui se déplacé notre nous placide et comme ce gouvernement a eu, depuis l'été 2023, c'est pas trop. Mais il y a quelques mois là, en plus de ça, depuis Simon Gilla, depuis le cabinet lui, et tout à coup j'en ai dit là, donc dans 23B, dans le local radio contact inter, donc c'est un monde au cap, c'est un monde que tout le monde connaît. Voilà. Merci un peu, Donald. D'après ça, et comment la situation est, et qu'à Païtien, pas de mouvement politique, non? Non, eh bien, c'est des carnaval. Ça a été un carnaval dans le cas Païtien. Même là, ce n'est pas un carnaval, j'en ai supposé, mais il y a un orchestre trionnal qui prend la réunion pendant un jour grâce à des gens qui sont estomaqués, des gens qui estiment que septembre pas sorti. Maintenant, déclaration que Maestro Jocelyn Alphée, la CIVA, s'est fait sous Pacouan, il dit que c'est centrional lui-même, on gaz à politique, qui n'est pas fait politique, lui-même, c'est musique qui a joué. Donc, il était sorti, c'est pas parce qu'il était bien comme dans le meilleur, il va être sorti sous l'obédience, et aucun monde ne s'est fait septembre plaisir, pour te faire des fanatiques septembre plaisir. Alors, on a rappelé que c'est pendant plusieurs, depuis 2020, nous songeons en 2020, il y a eu une mobilisation contre le président et Jovenel Moïse. Le SAR, c'est un politicien qui a empêché certains de la sortie. Certains ont même fait notre soutien avec le Canada, qui a dit que par rapport à la situation économique, sociale et pays, il n'y a pas de sortie. Et puis en 2021, il y a le carnaval et pour de paix. 2022, en bas, flash téléphone avec bougie, il y a un carnaval. Mais Anissa, septembre, lui-même, il était décidé par prendre l'ordre dans les politiciens. Carrément, septembre, il prend béton, malgré que tu aies un gros, malgré tout, tu aies un monde qui t'a dansé et normalement, et dans la ville cap-haïtien. Et pour nous, finir tout, et Gervais n'a pas dit que gagner une clé. Que qui se sent haïtien leadership avec excellence pendant que bien toutes les crises politiques qui étaient décidées de former 100 jeunes, mais qui étaient surtout dans plusieurs départements pays, dans 10 départements pays, bien dans 4 haïtiens. Formation sur entrepreneuriat social, mais qu'on fait que bien 100 jeunes dans 4 programmes engagés, mais jeunes aussi voient formation comment pour capable de bailler entrepreneuriat social. J'arrête. Un jeune qui était participé, il est vraiment content. Il m'a dit que grâce à la formation que clé, c'est Bayo, centre haïtien leadership avec excellence, ça va le permettre de même bail en tout cas. J'arrête, il y a les kilomètres de capacité, il vient plus renforcer. Il dit que nous constatons des réseautages pour ceux qui ont rencontré avec les jeunes entrepreneurs par eux, qui sont sortis dans plusieurs départements et pays d'Haïti. Voilà, merci un peu Donald Jameis, correspondant permanent qui t'a informé depuis Cap-Haïtien, mais surtout concernant information ça, agent Udmo qui était dans une patrouille, la police qui a même agressé physiquement commissaire gouvernement Cap-Haïtien, maître Charles-Édouard Durand. Et Jean-Donald te dit, il gagnait un parquet, bon côté tribunal première instance, plusieurs juridictions, quoi, Fort Liberté, Grande Rivière du Nord, avec la Cour d'appel Cap-Haïtien, hein, qui ont même condamné et puis dénoncé avec toute force, avec brutalité, avec maltraitance, plusieurs agents Udmo fait sous commissaire gouvernement Cap-Haïtien, maître Charles-Édouard Durand. C'est ça passait la nuit 13 pour l'ouvrir 14 février 2024 là parquet qui signe note ça dit jusqu'à présent yo bay bénéfice du doute à directeur départemental Nord-Orlan
commissaire divisionnaire Fred Joseph que le pata monde qui était derrière Zakassa. Toutefois, yo constaté policier yo auteur Zak Barbarsa yo toujours poko à disposition la justice, mais correspondant nous sont préciser que deux agents Udmo Sayo yo placé en isolement par quelqu'un Zakassa. Alors, pardon, par qui signe note ça, rappelé à quatre directeurs départemental Nord Police, là, agissement policier, yo, pas arrêté seulement, ou bien pas nécessité seulement, yon, simple sanction disciplinaire, bon côté, la police nationale d'Haïti, mais c'est plutôt, les doués travaillent pour identifier et puis mettez immédiatement policiers concernés à disposition la justice pour suite de droit. Commissaire Yon Parquet Sayo était solidaire avec homologue maître Charles-Édouard Durand. Dans sens ça, yo dit dans 24 heures et qui a venu là, directeur départemental Nord-Land, pas mettre policiers Sayo à disposition la justice, parquet, notre tribunal, première instance, Fort Liberté, Grande Rivière du Nord, Cap-Haïtien, avec la cour d'appel Cap-Haïtien, pour observer yon arrêt de travail pour exiger départ immédiat et sans condition, directeur départemental et police Nord-Land, qui dans tête direction départementale là. Donc c'est maître Eno Zéphirin pour commissaire gouvernement parquet Fort Liberté, maître Dominique Barthelmy commissaire gouvernement parquet Grande Rivière du Nord, maître Fel Hig Casimir avocat commissaire gouvernement la cour d'appel Cap-Haïtien qui eux-mêmes signé note ça pour condamner Zak brutalité, maître Charles Édouard Durand victime en bas main de policiers Udmo dans le département Nord-Pays.